L'erreur que font tous les gens qui veulent faire de l'argent. Voilà, donc du coup, je te le dis, comme ça t'évite de faire la même erreur. Okay? Et on est tous passés dedans. Dernièrement, je me suis encore fait carotte. C'est relou, alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien, au revoir. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche si jamais je viens juste d'arriver. Parce qu'à un moment donné, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas t'abonner? On ne sait pas. Réfléchis bien, pourquoi? Il n'y a pas de raison en fait. Donc s'il n'y a pas de raison, à un moment donné, il faut t'abonner. Donc du coup, mets un j'aime aussi, mets le j'aime en avance. Je préfère parce que du coup, c'est satisfait ou remboursé. Je veux dire, tu prends aucun risque. Tu mets le j'aime maintenant. Si tu n'aimes pas la fin de la vidéo, tu enlèves. Moi, tu es libre, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, ici, c'est Jonathan Hachi. Si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, première chose, on essaie de revitaliser la masculinité des hommes. Hein, que tout un chacun puisse récupérer son taux de testostérone là où il faut être. Parce que j'ai l'impression que toute la testostérone, c'est parti en Russie et en Chine. Donc, ce serait bien quand même que ça revienne un petit peu en France. Donc ça, c'est le truc. Et deuxièmement, c'est de faire l'oseille. Ah, tu connais le classique, le nerf de la guerre. Ah, tu peux pas te passer l'oseille. À un moment donné, il faut savoir, on veut être libre. Donc si tu veux être libre, il faut de l'oseille, les gars. Okay, donc il y a deux choses que je te propose. Hein, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. J'ai envie de te dire, ça mange pas de pain, comme dirait Gérard. Ça mange pas de pain. Salopopipette. Ah non, comment on disait? Salopopipette. Salopopipette. Salopipipette. T'as très bien compris, fais pas genre tu comprends pas ce que je vais te dire. Ok, donc c'est offert, c'est gratuit. Si t'as pas fait 20 000 € en une semaine et que tu les fais en une année, j'ai envie de te dire, ça me paraît quand même pertinent de jeter un coup d'œil. Après, tu fais ce que tu veux, mais voilà, te dire c'est offert, tu prends pas de risque. Voilà, bref, deuxième chose que je te propose, ça c'est pour les gens plus avancés, plus conscients, les gars qui vont plus vite. Les gars ils sont là, ils se disent, moi j'ai pas le temps, dis-moi comment on fait. Parce que là j'ai compris déjà que voilà, il faut faire de l'oseille. Ok, je suis là pour toi, calme-toi Gérard. Tu as la formation Pirate Marketing, ok, 100% financée, hein, parce qu'en temps de crise, hein, parce que je sais que le prix du gaz et du pétrole est augmenté, donc on a tout prévu les gars. Vous pouvez utiliser votre financement pour pouvoir accéder à la formation et je te montre exactement comment faire les 5K au minimum. Donc durant la crise, tu vas t'enrichir si tu fais les choses correctement et que tu suis la formation évidemment. Hein. Donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu pourras accéder déjà à toutes les infos. Tu sauras tout ce qu'il y a dans la formation. Et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. L'appel, il est offert. Ça, c'est ça qui est important. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Alors, le financement, c'est comment? Et j'ai combien sur mon CPF? Comment on fait exactement? Voilà, tu poses tes questions. Et après, une fois que tu seras content, eh ben, on t'accompagne à faire le dossier de A à Z. Boum, boum, boum. Okay, et après, on te donne des accès à Pirate Marketing. Pas compliqué. Ça se fait en deux clics. Et après, c'est à toi. Après, tu peux changer ta vie. En tout cas, tu as les infos pour changer ta vie. Parce que moi, j'ai donné les mêmes infos à des personnes. Il y en a un qui est devenu millionnaire. Il y en a un autre, on ne sait pas. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas faire plus que ça, les gars. Je vous donne les infos. Après, c'est à vous de charbonner. Hein. Voilà. OK. Donc, et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Dans le quartier des Pyramides, plus précisément où j'ai vécu. Hein, c'était dur. C'était dur. Voilà. Mais les gars, arrêtez de chialer un peu. Hein. On arrête de chialer un petit peu, ok? Donc je te dis, pourquoi je dis ça à chaque fois? Pour que tu arrêtes de chialer et trouver des excuses. Ok, ça fait plus de 3 ans maintenant que je voyage, que je suis libre, ça fait plaisir, on est bien, on danse la salsa, voilà, les colombiennes, etc. Donc justement, j'étais d'ailleurs, parce que là, il y a la fenêtre, donc j'ai été un petit peu déconcentré. Parce que, bah, évidemment, j'ai vu quelque chose de très agréable à l'œil, chose que toi, tu ne vois pas là où tu es actuellement. Hein, voilà. Mais ça, mais j'ai taffé, les gars. Hein, c'est pas vu tout seul, c'est pas tombé du ciel, les gars. Hein, ah oui, je suis en Colombie, en fait. Ça m'était beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, c'est bon, là, on est bon, là. Hein, et passons directement au sujet de la vidéo. L'erreur que font tous les gens qui veulent faire de l'argent. Voilà, donc du coup, je te le dis. Comme ça t'évite de faire la même erreur. Okay, et on est tous passés dedans. Dernièrement, je me suis encore fait carotte. C'est relou, c'est relou. Et tu sais, c'est quoi? Ça s'appelle le syndrome de Shine. C'est quoi? Le syndrome de l'objet brillant. Ça consiste à quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu es déjà conscient qu'il faut faire de l'oseille. Et ok, tu dis ça déchire. Maintenant, on est dans un monde où il y a tellement d'informations que tu veux tout faire.
tu veux être trader, tu veux faire de l'e-commerce, tu veux faire ta chaîne YouTube, tu veux vendre des formations, tu veux tout faire. Tu fais tout en même temps. Tu n'as jamais monté ce business, mais tu veux monter 5 business d'un coup comme ça, début. 3, 4 business, 2 business, 3 business en même temps. Boum, tu commences, tu dis comme ça. C'est quoi le truc? Tu te dis comme ça, si j'ai plusieurs sources de revenus, ou si j'en fais 3, j'essaie 3 3 en même temps, il y en a un qui va fonctionner. Faux! C'est exactement le contraire. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et on est tous passés par là. Ou sinon, ouais, donc déjà, j'explique pour ça pourquoi ça ne fonctionne pas. Non, parce que du coup, le fait que tu mettes ton focus sur 3 business en même temps, eh ben, il n'y en a aucun qui va marcher. Voilà. Ou sinon, très peu. C'est, pourquoi? Parce que ton focus, c'est ce que j'avais fait dans une vidéo, temps égale valeur. Si jamais, et pour ça, il faut mettre ton attention, ton focus sur le temps que tu as, ok, et tu le transformes en valeur. Ton focus, si jamais il est éparpillé partout, il n'a pas de force en fait. T'as plus ton arme puissante qui te permettra de changer ta vie, qui est ton focus, il est dispersé. Et c'est comme le principe de la loupe avec le soleil. Et là, focus puissant. Là, tu fais du feu. Mais si jamais genre t'es là, ton focus il est partout, tu fais du feu nulle part. Donc voilà. Ou sinon après la deuxième façon, c'est genre tu commences un business, et tu galères. Ah, c'est dur! Ah, bah oui. Qui t'a menti? On t'a dit que c'était dur, non? On t'a dit que t'allais rencontrer des challenges. Si jamais c'est genre, t'appuyais, machin, tout était roule, tu roules. Déjà, t'as une formation. Enfin, pour ceux qui ont une formation et qui suivent la formation, déjà, t'as esquivé grave des challenges. Déjà. T'as tellement esquivé grave que quand tu rencontres un problème, il y a un problème. Ah oui, il faut que je cherche tout seul le problème. Il faut vraiment que moi tout seul, je dois gérer le problème que c'est pas dans la formation. C'est pas dans la formation, ce problème-là, il n'est pas indiqué dans la formation. Moi tout seul, je dois chercher moi-même tout seul sur Google, tout ça, YouTube, je dois chercher tout seul la solution. C'est abusé quand même ça. Genre je dois me comporter comme un entrepreneur. Genre j'ai un problème et genre je dois essayer de le régler. Ah d'accord. Donc là, tu vois. Donc là t'arrives dans ce truc comme ça. Donc du coup quand t'arrives comme ça, tu dis et que t'entends un gars qui dit moi je fais des vidéos, on va dire tu fais du commerce. Et un gars dit moi je suis sur YouTube là je suis à 30-40K par mois là. Là tu fais ah ouais. Bah en fait, c'est ce que je dois faire, en fait. En fait, c'est ça que je dois faire. Ça doit être plus facile, en fait. Je pense que c'est plus facile. Pourquoi tu chuchotes? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, du coup, alors, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Ou sinon, il y a un gars qui dit, ouais, moi, je suis trader. Moi, j'ai plus d'un million de patrimoine. Hein. J'ai plus d'un million de patrimoine. Milieu de soleil. Et là, tu te dis, oh, ouais, ciao. En fait, il faut que je fasse trader aussi. Mais bien sûr. C'est logique, en fait. Ça doit être plus facile. Ça, tu le dis pas à voix haute, ça. Genre, c'est plus facile. Tu te dis dans ta tête. Tu te dis, ah ouais, ça doit être plus facile. Si jamais je fais trader, ben oui. Pourquoi je me prends la tête avec e-commerce? Pourquoi je me prends la tête à faire des vidéos sur YouTube? Ben oui, trader, c'est mieux. Ah ouais, je vais faire ça. Et là, tu vas comme ça. Et là, tu c'est la fête du slip, là, c'est... 6 mois trader, 6 mois là-bas, 6 mois YouTube, 6 mois e-commerce, 6 mois partout, machin. Il y a 2 ans, 3 ans qui est passé, tu n'as aucun résultat, zéro. Un peu d'immobilier aussi. Hein. Ah ben oui, l'immobilier, c'est la pierre. Donc, tu es partout et finalement, à la fin, tu as zéro ou tu as très peu. Voilà. Donc ça, c'est la carotte, ne te fais pas carotte. Et récemment, je me suis encore fait carotte et je vais te dire pourquoi exactement je ne me ferai plus carotte. Ça veut dire que j'ai failli me faire carotte, j'ai commencé et j'ai dit non. Et encore, moi, ça va, j'ai avancé dans mon business, j'ai dit tout est délégué. Donc je me suis dit, peut-être pourquoi pas utiliser mon temps que j'ai un peu plus pour pouvoir lancer un autre business, tu vois. Non, le mieux, et je vais t'expliquer déjà pourquoi. Voilà. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé ça. Quand j'ai voulu lancer un autre business, direct, en fait, j'ai rencontré des challenges. J'ai dit, tiens, j'avais oublié ça. Et c'est là que je me suis dit dans ma tête, la phrase de si jamais on fait ce business-là, le CEO il va tomber, cousin. Ça va pleuvoir.
seras comme ça. C'est ça que tu te dis. Et après, quand tu arrives, je démarre le truc, je vois challenge, bah! Ah ouais, déjà? Mais tu on vient de commencer, les gars! Ah bah oui, justement, c'est là que. Et là, je me suis rappelé, bah oui, c'est normal, c'est en fait, dès le début. C'est dès le début qu'il y a des challenges. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai stoppé net là! J'ai dit non. Pourquoi je vais me rajouter des problèmes en plus de mes problèmes que j'ai déjà dans mon business actuel? Parce qu'en fait, quand tu lances, quand tu es entrepreneur, c'est régler des problèmes, en fait. C'est ta vie. Donc en fait, je ne peux pas que ce soit même niveau temps, je dirais, et même niveau place mentale, et toi aussi, te permettre de rajouter des problèmes en plus dans tous les sens, en fait. C'est ça le réel problème du problème de vouloir faire plusieurs business en même temps. Parce que tu es en train de créer plein de problèmes et tu n'auras pas le temps de gérer tous les problèmes de tous les business. C'est pour ça qu'il faut que tu restes focus sur un seul et que tu le défonces. Tu vois? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, j'ai pas le temps en fait de consacrer à régler des problèmes d'un autre business alors que je pourrais régler le problème de mon business déjà. Bon, moi j'ai déjà un business qui tourne, mais vaut mieux que je me concentre sur le business que j'ai déjà, régler les problèmes que de mon business, enfin les challenges à machin, et augmenter les revenus en faisant des actions sur un business qui me rapporte déjà de l'argent. Ou sur déjà deux business qui me rapportent déjà de l'argent, parce que j'ai d'autres business. Okay? Et donc du coup, j'ai pris conscience, j'ai dit vraiment conscience, j'ai dit bah, c'est ça le vrai problème. En fait, c'est ça. C'est pas une question de temps, même de place mentale encore, c'est relou, mais c'est une question de, en fait, c'est des nouveaux challenges en fait. Et tu peux pas te déléguer directement, enfin je veux dire, voilà, tu pourrais, mais dans tous les cas, il va falloir quand même régler, il va falloir gérer ça quand même en tout cas. Okay? De toute façon, toi tu commences. Ça se trouve, tu es salarié, tu n'as pas quitté ton taf, donc c'est même pas envisageable en fait. Si tu restes sur un seul business, tu concentres ton temps, le temps que tu as, que tu alloues à te développer personnellement, tu restes focus sur un seul business. Donc voilà l'une des raisons de pourquoi il ne faut pas essayer de créer plusieurs business, on va en avoir plusieurs. Okay, mais c'est surtout ça que je voulais te partager avec toi, c'est parce qu'en fait, tu vas augmenter des challenges à régler qui vont te demander du temps en plus. Donc, c'est pour ça que je dis, ah, on vous a pas dit que c'était dur, on nous a pas dit que c'était dur. Bien sûr que tu vas rencontrer des challenges tout au long de la route. Donc, je te le dis alors, si jamais tu savais pas, ben voilà, je te le dis. Bien sûr. Évidemment, la formation, ça fait gagner du temps, mais ça t'enlèvera pas des challenges que tu auras. Plus tu vas vouloir avancer, plus tu auras des challenges. Ok, donc ne te rajoute pas des problèmes en plus à régler en essayant de faire deux business. Tu seras à droite, à gauche, tu vas essayer, machin, tu vas péter les plombs, ça va pas fonctionner, tu vas. Après, tu vas être là, ça fait un an que tu es là, tu essaies de faire, tu bricoles, non. Reste focus sur un seul truc. Choisis, comme j'ai l'habitude de dire, choisis ton levier d'enrichissement sur lequel tu veux t'investir. Si c'est e-commerce, c'est e-commerce. Si jamais c'est pirate marketing, bah c'est pirate marketing. Ok, prends une formation, évidemment, ou un coach, ou tout ce que tu veux, un mentor. Ouais, voilà. Et puis après, tu t'enfermes dans ta chambre et tu bouges pas jusqu'à temps que ça pète. Voilà. Après, ça prendra le temps que tu veux, mais crois pas que c'est plus facile à droite, crois pas que c'est plus facile à gauche, crois pas que c'est plus facile dans tel marché, etc. C'est, tout le monde a des challenges, tout le monde c'est pareil. Ok? Reste focus sur ce que tu as à faire si jamais tu veux avoir des résultats. Ça prend déjà assez de temps comme ça pour que tu puisses gaspiller ton temps dans d'autres business. C'est ce que je veux dire? Je te l'ai dit, ça prend entre 2 à 5 ans pour pouvoir avoir un vrai business long terme. Je ne vois pas des coups de. Tu arrives à faire de l'argent bon comme ça, machin. Oui, c'est peu faire ça, mais un vrai business établi long terme. Tu sais que ça, on est là, tu peux compter sur ce business-là pour te nourrir pendant 10 ans. Ok? Entre 2 et 5 ans. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Voilà. Et pour pouvoir générer au minimum 10K. Et 20K, 30K, ça dépend. Mais c'est dans les 2 à 5 ans. Donc, si tu commences à vouloir faire deux business en même temps, etc., tout va être rallongé. Et tu n'auras même pas les 10K. Donc, reste focus sur un seul truc et on reste déter. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi parce que même moi, j'ai failli me faire 40 ans. J'ai failli me faire 40. Enfin, j'ai voulu et je me suis aperçu direct. J'ai dit, mais non, concentre-toi sur faire plus d'argent, plus de revenus avec ce que tu as déjà. Ok, bon, moi, c'est encore un cas différent. Toi, si tu as déjà un business, ben voilà, c'est parfait. Consomme-toi sur faire plus d'argent. Si tu n'as pas encore de business, consomme-toi sur un seul business. Ok? Si tu de faire deux, consomme-toi sur un seul business. Non, mais je pense que je pourrais, là. Consomme-toi sur un seul business. Tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas dit. Si tu veux passer du temps, vas-y, libre à toi. Fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et les gars, on lâche rien. Oui, monsieur. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Wow.